Ça va très bien. Comment tu es pimpante aujourd'hui? Ah ben, c'est la fin du travail. Ah, souffrant. Quand je te vois comme ça, tu ne connais pas ce que tu fais. Ah bon? Oui, vous avez fait le quoi, non? Comment? Oh là là. Où je vais coller aujourd'hui, hein? Ah bon? Aujourd'hui, je vais te traiter. Vous allez en profiter, quoi? Oui, non. Ça a réussi bien après les défis. Ah non, ça va, ça va, ça va. Ça va? Vous avez une très belle tenue. Hein? Merci beaucoup. Merci. Ça, ce sont les œuvres de Finesse. Ah, c'est Finesse. Hein? Finesse, le grand styliste, modéliste international. Là, ah, que ouais. Tu connais bien. Il est magnifique. C'est très bien. Il est excellent, vraiment. Même toi, tu n'as pas vraiment africain. Oui. Tu as mis les choses de main ici, là, c'est ça. Ah, ben on appelle ça des courris. Les courris, c'est africain. Oui. C'est bien. Oui. Tu es toujours une femme africaine. C'est ça qui m'impresse, toi. Tu n'es pas toi comme les autres femmes qui laissent ce qu'il y a au Cameroun pour aller prendre au Sénégal. Au Congo, tu prends pour toi, souvent ça vient que le Bandjou, non? Tout droit. Tout à fait. Le cas là. Tout à fait. Bon. Bon. So, moi, je voyage aussi. Bon, fait même à tous les policiers du Cameroun. Mm-hmm. Même comme je ne suis pas content de ceux de Bétois, particulièrement. Parce que les policiers de Bétois, depuis une semaine, ils entrent dans les cabarets à Bétois, ils retirent les clients. Parce qu'ils disent que les clients sont mal habillés. Est-ce que c'est dans les cabarets qu'ils vont aller retirer les clients? Attendez-les en route. Quand il est déjà au cabaret, il boit sa bière, il n'a même pas encore payé, tu viens lui faire sortir. Ils ont fait jusqu'à un monsieur avec toi qui a oxygène, qui va fermer à cause d'eux. Les clients ne viennent plus. Est-ce que c'est bien comme ça, monsieur le policier? On a dit que les habits extravagants, là, on attrape qu'en route. Tu parles même dans la boîte de nuit de quelqu'un, le tient son client qui boit son whisky, qui va payer les papiers avec quoi après? Un couteau. Vraiment, c'est terrible. Hein? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand les policiers les respectent, ils font toujours les choses comme ça. Après, ils vont dire que Mazako bavarde tout ça à la télé. Ah ben, c'est de l'abus, tout simplement. Vraiment. C'est de l'abus. J'ai appelé mon ami qui est là-bas, la voisine. Il m'a dit que ça, c'est l'abus. Hein? J'ai appelé le président du tribunal de... ouais, il est quoi? Juge d'instruction. Voilà. Monsieur Yonce, il m'a dit que ça, c'est l'abus. Ils ont tous les thèmes, c'est l'abus. Alors que c'est... Non, mais attendez, vraiment, vous avez du pouvoir, mais il ne faut pas abuser non plus. Hein. Maintenant, si on veut traquer des personnes qui n'ont pas des tenues décentes, voilà. Et qu'on se rend dans un endroit où forcément on va retrouver ces personnes-là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Souffrez. Oh, tu es une fille extraordinaire, que comment franchement. C'est du grand n'importe quoi. Fais chier, là. Nous, on a parlé le français. Souffrez. Oui, ils oui, ont oui. sorti un mot ici de que les plastiques biodégradables. Ouais. Moufmédé. Je me rends dans une boulangerie, là, toujours pour acheter le pain. On me dit qu'on va me donner le pain à la main parce que je n'ai pas déboursé 25 pour acheter les plastiques. Peut-être, vous avez commencé les vols. Donc vous fabriquez les plastiques pour vendre aux gens, vous dites que c'est biodégradable. Faites aussi les préservatifs biodégradables à partir d'aujourd'hui. Parce qu'après la fête du travail, on a aussi la fête du travail à la maison. Il nous faut les préservatifs biodégradables. C'est ça. C'est parlé. Ils ont commencé le vol. Bon, c'est vrai quand même que ça cause un sérieux problème, hein, c'est dans les boulangers, mais dans toutes les grandes surfaces, en tout cas, on a comme l'impression que les gens ne s'étaient pas véritablement préparés à cette mesure-là, voilà. Qu'on n'a pas pris des dispositions et ça devient de plus en plus compliqué. Vous, il fallait débourser 25 francs. Ailleurs, et boulanger, c'est ailleurs, que c'est 100 francs. Ailleurs, c'est 100 francs, c'est même 500 voilà. Chez certaines personnes. C'est assez compliqué, hein, et même que d'autres structures prennent maintenant des espèces d'enveloppes. Oui. Pour emballer. Parce tout que ça, c'est quand le monsieur qui était derrière moi, tout c'est ce qu'il a fait. Non. Que laissez votre plastique, donnez-moi mon pain à main. Mes mains sont biodégradables, donnez-moi ça. Il a lui pris ses 30 points comme ça. Allez, j'étais dans sa voiture, il est parti. Tu me sens le sable, mon poison va me tuer moi-même. Vous parlez votre biodégradable, là, allez avec ça. Vous manquez quoi faire avec le budget de l'État. Non mais attendez, parce qu'on rigole, mais c'est vraiment pas vraiment, drôle. Ça parce que quand on parle de quand il faut utiliser ces plastiques biodégradables, justement, ouais. C'est pour protéger la planète tout entière. Ce n'est pas une histoire du Cameroun. C'est hein. Vrai quand même. C'est pas une histoire mais du voilà. Mais est-ce que notre pays est déjà prêt pour les choses comme ça, souffrir? Mais vous serez prêt on quand on va se préparer. Hein? Oh, si on vous donne même 5 ans après, ce sera compliqué toujours de mettre en application cette mesure. Tu sais que le Cameroun, c'est un pays que c'est Dieu qui dirige le pays ici. Oh, faut pas dire ça. C'est moi qui te dis. Attends, tu penses que ce sont les ministres là? Il y a un président à la tête de ce pays. Oui, même le président là, c'est Dieu qui le dirige. C'est moi qui te dis.
C'est Dieu qui dirige le pays. C'est parce que tu vois les conditions que les Camerounais mangent. C'est que tu es maudit depuis. Ah bon? Ah, je suis entré dans les cafétéries des Maghrébins. On dit spaghetti, il prend la main comme ça, il met les spaghetti. En même temps, les mauvais colis font comme ça. Il prend encore les spaghetti, il met. Tu vois les choses comme ça? La dysenterie, à mes biens, c'est Dieu qui nous protège. D'accord. Friend, si vous le dites comme on va continuer encore aujourd'hui. Cette fois-ci, je m'adresse maintenant particulièrement aux promoteurs de spectacles. Le respect est mutuel. Ah, c'est clair. Le respect est mutuel. Si vous prenez les artistes camerounais pour les déchets, laissez-nous tranquilles. Allez prendre vos artistes en Côte d'Ivoire, en France, vous venez avec eux. Mais laissez-nous tranquilles. N'attendez pas quand vous êtes bloqué, vous nous appelez pour nous proposer les 15 000, les 20 000. Je m'adresse plus particulièrement à tous les pingouins qui m'ont appelé hier. Quand vous venez animer vos sociétés là à 30 000, 40 000, je finis le défilé ici, je rentre chez moi, je dors. J'ai TV plus qu'à les dessins animés sur Disney Channel. Je vois du ça à l'aise. Allez prendre vos artistes en Europe, comme vous prenez habituellement, vous nous laissez tranquille. Ils voulaient vous donner combien, 15 000. Pour faire quoi? Pour venir animer les employés. Une grosse société. Si tu cites le nom là. Non, il ne faut pas citer le nom. Le directeur général de la société, il loue dans un appartement et ça, on paye 11 millions. Non, mais en même temps, attention. En même temps, peut-être que le budget alloué pour vous était beaucoup plus et que l'intermédiaire a voulu vous faire du mal. C'est le directeur des ressources humaines lui-même qui m'a appelé. Parce qu'il m'a dit que l'année passée, les artistes sont prêts. Il dit que si vous payez 15 000 ici, c'est que l'année passée, vous avez payé 30 000. Prenez vos employés, font l'humour. Mais là, vos sociétés, même. Tous vos produits que vous fabriquez, c'est la mauvaise qualité. Même. Vous comprenez. Vos sociétés. Et à mon ami à Yaoundé, hein, au Tungu Nightclub, c'est là où il m'a invité. J'ai fini l'émission aussi. J'ai fini le défilé. C'est Tungu Nightclub, directement. D'accord. Bon, Soufran. Oui. Quand Massako parle, on dit que j'ai parlé. Vois les images. Voilà deux policiers en plein contrôle, deux policiers camerounais. Ça, c'est au feu rouge, Bessengue. Ah bon? Il stoppe les taxis. Le taximen s'arrête. Il dit que chef, il y a quoi? Il dit donne-moi le dossier. Donne-moi le dossier en voyant son pied déjà dans la voiture. Regarde. Quand on a parlé, ils vont dire que Mazakop, les policiers t'ont fait quoi? C'est moi qui fais. Regarde. C'est eux qui sont censés donner. Regarde. Montrer l'exemple. Regarde-toi-même. C'est lamentable et c'est très dangereux. Ils vont dire que c'est le montage. C'est le montage là-bas. Non. Regarde-toi-même. Il a vraiment un pied. Ouais, un pied. Et dans tout ça, il y a les passagers. J'étais de l'autre côté, j'ai dépanné ma moto. J'ai seulement sorti, j'ai mon radar maintenant. Ce n'est pas fini. Ah bon? Oui, hey, tu vas voir maintenant l'image. Envoyez, regarde. Oh mon Dieu. Tu as vu? Et son village, ils disent qu'ils vivent à Douala. Tu as vu Douala? Et au village, il insulte quelqu'un que je vis à Douala. Regarde, ça c'est avant-hier. Oui. Une petite pluie. Une petite pluie. Le tout là, il a envoyé au moins 20 personnes à la morgue. Ah ouais, il faut. Et je te rappelle que le délégué du gouvernement passe là-bas tous les jeudis. Hein. Ah bon? Tous les jeudis, lui-même, il passe là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là, le 4x4. Tout le monde a le 4x4. Si il fonce, mais c'est le policier qui va sortir pousser, non? Est-ce que lui va le souffrir? Franchement. Voilà. Le mieux, c'est que je dédicace ça à Jean Jarzé. Tout ce qu'il aime, tous les cravates, non? C'est une cravate qu'il faut spécialement. Jean Jarzé, M. Leoncio. C'est busy, il faut les cravates. Ah bon? Ce sont nos patrons, on les souhaite d'avoir bonne fête de travail. Ouais, c'est une caricature. Que Dieu les bénisse pour tous les travaux qu'ils font. Voilà. Tu as vu la cravate, non, son frère? Ouais, j'ai vu. Oui, oui. Il y a quoi? Envoyez les images. Il y a les images aujourd'hui. Envoyez-moi ça. Tu as vu? Voilà une femme maintenant. Elle vit que du jonglage. Dans les jongles, on s'en lance les pièces. Elle pointe son argent. Elle est au Nigeria. Ah, ben c'est mieux. Une petite fille. Hein? C'est mieux que rien. Oui. Si tu vas dire à une fille au Cameroun, fais ça. Et moi, je souffre. Je souffre. Regarde ce qu'elle fait. Jongle. Elle a tapé comme ça. On a compté plus de 45. Ah bon? Oui. Après, elle tape avec le dos. Elle tape avec la poitrine. Après, elle dépose. Elle sort la scène. Elle récupère son gombo. Elle continue la route. Elle n'est pas dans l'équipe nationale de football? Jamais. C'est une artiste en point pointage dans la rue. Ah, d'accord. Tu vois, elle fait le jonglage. Tu as vu? Allez, bim. Allez, tac, 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 allez, bim. Alors là, c'est très ingénieux. Ça va encore tum tum tum. Tu as vu? Elle est très forte, hein? Merde. Franchement. Tu as nous filmé dans des jongles. Tu vas te montrer que c'est le maquillage que vous voulez voir. C'est ça au Cameroun. Regarde. Allez, tu as vu? Elle m'a maintenant déposé. Elle prend son bonbon. Franchement. Vraiment. Bonne fête de travail à tous les Camerounais. Merci. Plus particulièrement à mon ami Abdallah Adamou, il est à Marouin.
Ah, d'accord. Oui. Avec mon ami Freddy des impôts en consommant. Mm. Bonne fête de travail au président de la République. D'accord. Oh. C'est quoi cette image? Regarde les gens qui veulent diriger le Cameroun. Ça, c'est à Mombo. Mombo, c'est où? Mombo, c'est ici devant. Ils veulent diriger le Cameroun. Ça, c'est lors des élections. Tu vas comprendre les exactions, les mots qui sont dans les gens qui veulent diriger le pays ici. Un pays se met debout et dit à un autre pays que vraiment, le jour-là, ça m'a fait mal. Hein. C'est monsieur le préfet. Monsieur Thomas, on a qui on souhaite bonne fête, qui est venu calmer ça. Mm. Deux papas qui veulent te mettre le coup de poing. Ah bon? Je te dis, pourquoi vous ne mettez pas la partie qu'ils ont bagarrée là? Mettez que ça. Mettez ça qu'ils voient eux-mêmes. Fiche-moi la paix. Fichez-moi la paix. Une presse partisane. Finis-moi. Une presse partisane. J'ai dit partisane. Une presse partisane. Le jour de résultat, les lames, c'est Gomme là, le doyen du village. J'ai déjà voté mon maire. On dit que oui. Je veux savoir seulement le nom. Le jour de résultat, les lames vont couler. Le jour de... On ne doit pas changer. Le maire, c'est moi, je peux pas le maire, là, c'est qui? Ngoku Bless. Hein? Ngoku, là. Comment? C'est pas Ngoku, mais pas ici. Le jour de résultat. Tu as vu, non, c'est où? D'où il a vu son main dans la tête. Jusqu'à ce que ce n'est pas les mains, là, il se prend, lui. Souffle, avant de partir, on souhaite quand même, bon, on fait des travaux à monsieur Aminou Amidou Abafsan, non? Bien sûr, bien avec sûr. Avec sa charmante femme. Tout à fait. Sans oublier mon ami Freddy, en consomme, et sa charmante femme, Karine, bon rétablissement, la mère de quelqu'un. C'est ça. Bonne journée à tout le monde. Bonne fête de travail à tous les comédiens qui vont pointer aujourd'hui. Ah, donc comme c'est, moi. C'est votre jour de pointage. J'ai le pointage à Tungunaïkro, à Yaoundé. D'accord. C'est la mort seulement aujourd'hui. Mm. Dès qu'on finit le défilé, là, je prends la route. Vous pensez que je peux venir avec vous? Bien sûr. Quelle femme comme toi, tu te prends là, qui peut-il refuser ce frère? Si je suis avec toi, je suis aux anges. Ah bon? Mide. Ah bah, j'ai vu vos intentions alors. Non, non, non. Et... Sans... Oh.